Famille d'artistes Corfoufeuille, format cap, inauguré journée vendredi 2 décembre 2016 là, yon centre d'or à yon couloir qui pote non Saint-Éloi. En raison ak famille Saint-Éloi, qui chargé ak artiste qui résidait dans la localité. D'après historicité directeur artistique Family Arts, c'est un mouvement qui commencé dans l'année 70. Mouvement ça, c'est un mouvement qui commencé depuis les années 70 dans le mouvement. Ok, Kounia là, comme nous-mêmes qui c'est en fait deuxième génération, c'est-à-dire après papa, nous poursuivons li dans le même sens. Prendre tout le monde et c'est enseigner tout le monde gratuit et puis former yo pour sous contexte identité, c'est-à-dire tout ça qui représente nous-mêmes comme étant haïtiens. C'est pas seulement peinture, musique, sculpture que nous enseignons tout le monde fait, mais nous bayo formation tout pour remettre tête yo. C'est-à-dire tout ça qui entre dans cadre l'on dit je suis là. Moi c'est Chile à Saint-Éloi, moi fait Carrefour, moi de race noire, moi descendant africain, c'est mettre toute bagasse en vigueur, faire remettre tout ça, et ça c'est pas que problème tout qui c'est premier problème maximum problème au monde. En fait, Family Arts nous titré association dans l'année 1987. Mais j'en définis comme dit famille d'artistes, soit que nous sommes famille d'artistes, papa, maman et ainsi que nous tout timonio, c'est à nous faire, c'est ça, c'est de ça nous vivons net. Et de 87, c'est là nous baillons en main, travail, j'en nous dis, travail là, tu as commencé depuis les années 70. Et professeur qui a enseigné, est-ce que vous avez de renom? c'est Carrefour Feuille. C'est-à-dire, tout grand maître, il était centré dans ce secteur sacré de Carrefour Feuille. Il y a une initiative qui est réalisée dans façon. Pour retirer vie mit société à gain de section communale Corfoufeuille, réduire délinquance là ak yon meilleure formation pour jeunes yo dans section an, relancer activité qui lié Eve artistique yo dans zone là et puis développer couloir Saint-Éloi comme un centre d'attraction pour zami qui remet or d'après coordonnateur Family Arts là monsieur Israël Saint-Éloi. Souvent yo toujours catégorisé moun ki nan ghetto yo étant de marginal et comme si yo paraît qu'un élément gênant pour société a. Mais nous même jeunes nous étant que jeunes dans zone là nous dit faut que nous formions jeunes yo pour gagner moins de délinquance que possible au niveau peinture, sculpture, musique, danse, slam, cosmétologie, même pour jeunes timé dames yo, c'est dit ce type de formation ça nous mettait dans zone nous et c'est gratis. On pas ta veut être fini là, tout le monde qui voulait porter support yo bah nous il tape très 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 bon parce que pour formation en continue, même si les bénévoles, comme si au niveau nous-mêmes, nous avons matériel pour nous continuer le travail là. Yon l'autre bord, M. Desbrosses Julien, représentant American Red Cross, exprime satisfaction pour le travail ça qui réalisé et puis présenter potentialité zone. M. Desbrosses fait qu'on est, atelier ça après jouer un rôle important pour jeunes qui souvent tentation de délinquance et qui prennent l'entrée dans le cadre protection environnement localité. Avant, ici a été un espace qui était extrêmement difficile d'accès. Pas de route, tout était difficile, il y avait de l'eau, la boue. En fait, le contexte général des zones marginalisées. Donc, nous avons vu que l'initiative qui a été proposée, il y avait deux aspects qui étaient rentrés en ligne droite avec l'activité que nous avons et qui lient avec le projet que nous avons mis sur pied, qui est le programme LAMICA, la vie mieux dans le quartier PAM. Li répond à au premier objectif qui c'est faciliter accès moun yo qui en ligne droite avec gestion risque ak désastre. Donc nous fait route là de manière correcte ou façon pour nous ka gagne accès à lui-même. Et deuxièmement, si nous galé li rentrer dans standard carélé renforcement économique. Bon ensemble de jeunes qui c'est des artistes pour la plupart et qui te prend une formation sous gamme de thématiques. Et ces formations ça que nous prend et que yo joigne espace ça comme un espace de pratique ou espace côté que yo exercer ça que yo te apprendre. Ou regarder tout mur yo décoré, nous gagner ou créativité immense que yo montrer à travers ça que yo te apprendre. Donc non seulement moun yo gain facilité d'accès à, deuxièmement moun yo vinn gagner ou capacité ou créativité pour capable faire des bagages qui a utile tête. Sortir dans délinquance, sortir dans petit sourire, sortir dans tout ça nous connaît qui c'est des bagages qui négatifs, mais utiliser intelligence, sur force, sur connaissance, mettez-le au service de la culture, de l'art et de l'artisanat. Donc son activité qui est tenue sur un peu plus que 18 mois. Mais 18 mois, il n'y a pas l'activité d'infrastructurel. Il
il est surtout à tant que nous avons besoin pour prendre formation, il est surtout à capacité certifiée. Tant que vous avez besoin pour concevoir, créer et produire production artistique que vous voulez faire. Rénovation centre dans l'an à couloir Saint-Éloi, rivé réalisé dans 18 mois. Grâce à projet l'Amica, la vie mieux dans 4e avec divers l'autre partenaires.